Huguette Bouchardeau, vous êtes la candidate du PSU, vous êtes donc une candidate de gauche. D'ailleurs, vous avez dit qu'il fallait surtout battre M. Giscard d'Estaing. Or, il se trouve aussi que vous êtes en concurrence avec le candidat de gauche qui a le plus de chances de battre M. Giscard d'Estaing, c'est-à-dire François Mitterrand. Il vous arrive de le critiquer. Est-ce que vous ne craignez pas de lui nuire? Et comment vous situez-vous par rapport à lui? Moi, je suis de gauche. Et au second tour, il n'y aura pas de problème pour voter à gauche pour François Mitterrand. Mais je dis que aujourd'hui, la gauche n'a de chance de battre la droite que si elle est capable de proposer un projet de changement. Et c'est pourquoi, au PSU, nous faisons des propositions, en particulier sur l'emploi, sur l'énergie. Donc vous avez là-dessus des idées qui ne sont pas celles des autres partis de gauche, vous tenez à les exposer, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, en fait. Donc, sur l'emploi, sur l'énergie, alors si vous voulez, on commence par l'emploi. Effectivement, le chômage est au centre de cette campagne, le gouvernement, le patronat ont l'air plus ou moins de s'en accommoder, en disant d'ailleurs que les chômeurs sont secourus. Est-ce que pour vous, c'est un problème prioritaire? C'est le problème prioritaire aujourd'hui. On ne peut pas se présenter à ces élections présidentielles sans dire comment on pourrait arriver dans ce pays à résoudre le problème de la crise de l'emploi. Et il faut aujourd'hui, enfin rendez-vous compte, aujourd'hui Valéry Giscard d'Estaing barre, il propose simplement de partager le chômage, travail par intérim, augmentation des chômages à temps partiel, mise à la retraite autoritaire, et puis aussi organisation du temps partiel pour les femmes. Et alors justement, le temps partiel pour les femmes, pourquoi pas? Après tout, c'est pas si mal, ça permet de s'occuper de la maison, des enfants. C'est ça, puis ça permet de réduire ce chômage des femmes qui est tellement important. Aujourd'hui, si on était sérieux, on dirait même plus... Le féminin devrait l'emporter sur le masculin pour dire chômeur. On devrait dire chômeuse. 53% des chômeurs sont des chômeuses. Alors qu'il y a moins de la moitié de femmes dans ce qu'on appelle la population active. Alors pourquoi pas le temps partiel? Eh oui, pourquoi pas le temps partiel, comme dit le pouvoir aujourd'hui? Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui se disent que ce serait mieux pour elles de pouvoir travailler moins longtemps dans l'entreprise. Parce que quand on vit toute la journée, toute la semaine, toute l'année, avec la course contre le temps, pour faire la double journée, la double semaine... Alors on a envie de respirer. Seulement, pourquoi ce serait toujours pour les femmes le double travail, la maison, les enfants, et puis le travail salarié? Et puis je vais vous dire, le temps partiel, je trouve qu'on ne le dit pas assez. C'est une duperie et quelque chose qu'on essaie de faire avaler aux femmes seulement. Pourquoi seulement une duperie parce que, mais concrètement, parce que simplement, c'est d'abord un salaire très réduit alors que beaucoup de ménages... aujourd'hui n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts. Et puis en même temps, c'est pas de possibilité de carrière, de promotion, de progression, et puis aussi la retraite. Combien de femmes aujourd'hui ont de toutes petites pensions parce qu'elles n'ont pas assez de points de retraite? Alors rendez-vous compte si elles ont travaillé à temps partiel durant toute leur vie. Bon alors, vous refusez les propositions, les suggestions du gouvernement et du patronat. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour lutter contre le chômage? Moi, je propose que ce soit le travail qu'on partage. J'ai envie de dire qu'on partage le travail salarié, mais qu'on partage aussi l'autre travail, le travail non reconnu, non salarié, gratuit, celui qui se fait à la maison. Seulement, c'est sur le travail salarié qu'on peut avoir prise, immédiatement. Et comment le partager? Ben je dis, il faut réduire considérablement le temps de travail. Nous avons un projet au PSU pour 30 heures dans les 10 années qui viennent. Et dans l'immédiat? Dans l'immédiat, c'est les 35 heures, comme le proposent les syndicats aujourd'hui, comme le proposent les partis de gauche. Bon, mais ça a l'air déjà assez difficile d'y arriver aux 35 heures. Est-ce que c'est vraiment sérieux de parler de 30 heures déjà? Non seulement c'est sérieux, mais je dirais que c'est le seul projet sérieux pour résoudre la crise de l'emploi. Parce que dans les années à venir, avec ce qu'on appelle les progrès techniques, il ne va pas y avoir plus d'emplois créés, il y en aura moins, si on reste dans la logique actuelle, et en même temps,
la demande d'emploi, en particulier celle des femmes, va être croissante. Alors nous, nous calculons qu'avec 30 heures par semaine, nous arrivons à la fin du septennat, avec encore des chômeurs, mais nous pouvons créer ainsi 2 millions d'emplois nouveaux. Et voyez que c'est vraiment un objectif relativement modeste. Alors... Je veux bien admettre que des grandes entreprises qui font beaucoup de bénéfices peuvent réduire le temps de travail, le ramener à 30 heures peut-être dans un avenir prévisible. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les petites et moyennes entreprises, dont beaucoup ont des difficultés, peuvent se permettre ce luxe? Eh bien, vous avez raison de poser cette question. Parce que beaucoup de petites entreprises se disent, comment est-ce qu'on pourrait créer des emplois supplémentaires et réduire le temps de travail de nos salariés? Seulement voilà, il faudrait changer d'autres choses. Aujourd'hui, les charges sociales sont calculées sur le nombre de travailleurs. Chaque fois qu'on emploie quelqu'un, on paye sur son salaire des charges sociales. C'est un impôt sur le travail. C'est un impôt sur le travail. Et en plus, la fiscalité des entreprises est aussi calculée en grande partie sur le nombre de travailleurs. C'est-à-dire que les entreprises sont pénalisées quand elles emploient plus de monde. Alors, je vous demande que les charges sociales... et que la fiscalité, les impôts sur les entreprises, se soient calculés sur ce qu'on appelle la valeur ajoutée, la richesse produite par les entreprises, et non plus sur le nombre de travailleurs. Comme ça, des entreprises qui ont 4, 5, 10, ou plus, mais un nombre restreint de personnel, pourraient créer des emplois nouveaux. Et les entreprises fortes créatrices de main-d'œuvre pourraient vraiment en créer davantage d'emplois si on leur donner ces conditions nouvelles. Est-ce que votre plan de relance, puisque tout le monde a un plan de relance aujourd'hui, est-ce qu'il se résume à ça? Mais non, parce que voyez, nous nous disons qu'en même temps, si on réduit massivement le temps de travail, eh bien, on doit en profiter pour réduire en même temps les inégalités, augmenter les bas salaires jusqu'à 2 fois le SMIC, les bloquer ensuite, bloquer pas les salaires, mais le pouvoir d'achat, qu'il reste constant entre 2 et mettons 4 fois le SMIC. Et au-delà, si on travaille beaucoup moins, eh bien, on pourra mieux vivre, mais sans augmentation du tout du pouvoir d'achat, et peut-être même avec une diminution. Pourquoi pas? Mais je vais vous dire, ça, c'est une relance, c'est notre relance à nous. Parce que les gens... relance par la consommation de la base. Bien sûr, parce que les gens qui passeraient du SMIC à 350 ou 4000 francs, eh bien, eux, ils mettraient immédiatement dans la consommation cet argent gagné. Tandis que, quand on fait des concordes, ensuite on est obligé... de payer le déficit sur ces produits de luxe. Et on produit pour un groupe social très favorisé et on n'arrive pas, justement, à donner assez pour pouvoir relancer une consommation populaire. Donc tout ça suppose donc une politique des entreprises, une politique industrielle même. Oui. Et une politique industrielle, aujourd'hui, ça veut dire une politique de l'énergie. Or, vous êtes contre le nucléaire. Comment pouvez-vous concilier cela? Eh bien, avant de vous donner nos solutions, je voudrais, Monsieur Guiclès, vous présenter Amélie Kerlor, qui est maire de Plogoff. Et avant de dire ce que nous proposons pour l'énergie, j'ai envie qu'on dise d'abord ce qu'il en est aujourd'hui des projets du pouvoir sur l'énergie, sur le nucléaire en particulier. Oui, racontez-nous un peu ce qui s'est passé à Plogoff, Amélie Kerlor. Je remercie tout d'abord Huguette Bouchardot de m'avoir invité ici ce soir et de me permettre de m'exprimer. Je l'ai parrainée pour lui donner à elle, une femme, l'occasion de s'exprimer dans cette campagne présidentielle et surtout pour sa position sur le problème nucléaire. Nous, à Plogoff, nous avons un problème depuis 1974. Le pouvoir ne cesse de mener des coups à Plogoff. Et je dis, il est temps d'en changer. En 1974, M. Giscard d'Estaing, M. Jarrot, son ministre de la qualité de la vie à l'époque, nous avait dit au maire de Plogoff, Jean-Marie Kerlouc, si vous n'en voulez pas, vous n'en aurez pas de centrale nucléaire. Nous en avons eu la preuve. En 1976, EDF a fait le forcing chez nous. La population de Plogoff s'est regroupée en comité de défense. Nous avons veillé 4 jours et 4 nuits sur les voies d'accès. Ils n'ont pas pu venir sur le site. Ils ont dû repartir. En 1980, on nous a proposé une enquête d'utilité publique. Le maire a dit « enquête d'utilité publique bidon,
Je la refuse. Je ferme ma mairie. Il a été remplacé par M. Goudard, sous-préfet, qui est venu à 4h du matin. Est-ce que ça se fait en France? Avec 8 camions de garde mobile devant lui pour accrocher un arrêté à un volet roulant de la mairie. Il a donné le ton. Et pendant 6 semaines, nous avons eu 800 gardes mobiles, nuit et jour, patrouillant dans les rues, lançant des grenades lacrymogènes. Nous avons eu des jeunes mis en prison, nous avons eu des blessés. Et maintenant, où vous en êtes alors? Et maintenant, eh bien, le Premier ministre a signé le décret d'utilité publique. Nous avons déposé un recours devant le Conseil d'État. Nous avons envoyé des pétitions au Conseil de l'Europe. Nous avons essayé de frapper à toutes les portes, nous n'avons eu aucune réponse. Alors, sur le terrain, voilà ce que nous avons fait. Miguel Bouchardeau, qu'est-ce que ça vous inspire, ce récit? Ben, d'abord, ça m'inspire ce que je dis depuis longtemps au PSU, c'est qu'il faut à la fois que tous les gens s'emparent des problèmes et n'acceptent pas simplement des ordres qui viennent d'en haut. Et que c'est sur le terrain qu'il faut se battre. Je crois que vous vouliez dire à Amélie Carlock que dimanche, il y aura un rassemblement à Plogoff sur cette affaire. Mais en même temps, je dis qu'il faut aujourd'hui... Je crois que Plogoff en est un exemple absolu. Il faut se dire que le pouvoir, avant tout, craint qu'on parle de ces choses. Il ne veut pas ouvrir le débat. Et il accumule les mensonges là-dessus. Vous voyez? Bon, ça dit, moi, je comprends effectivement qu'on ait peur du nucléaire, je comprends qu'on veuille vivre au pays dans le cadre dans lequel on a toujours vécu, mais cela dit, il y a quand même ce problème de l'indépendance énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que le nucléaire? Oui, mais justement, je viens de parler de mensonges, vous me parlez d'indépendance énergétique. Et je croirais entendre parler M. Valéry Giscard d'Estaing en personne, parce que l'indépendance par le nucléaire, parlons-en. D'abord, EDF. Qui investit en ce moment 25 milliards par an pour lancer le nucléaire. Eh bien, savez-vous qu'il est le premier emprunteur de capitaux étrangers aux États-Unis, en particulier? Alors, drôle d'indépendance, nous allons mendier l'argent aux États-Unis pour faire le nucléaire. Et 80% de l'uranium dont nous nous servons aujourd'hui dans les centrales, nous devons aussi l'importer. Alors, quelle indépendance, vraiment? Bon, alors, vous niez l'indépendance grâce à l'énergie nucléaire. C'est le fait. Quels sont les moyens de l'indépendance énergétique que vous proposez, vous? Eh bien, nous disons d'abord, écoutez, il me faut faire une petite explication. Parce qu'encore une fois, jamais vraiment ce débat public n'a eu lieu. Les centrales nucléaires, ça ne produit pas de l'électricité quand on veut, comme on pourrait le moduler. Comme les centrales à charbon, à fioul, hydroélectriques. Les centrales nucléaires produisent de l'électricité en continu, c'est-à-dire jour et nuit de la même manière, hiver comme été. Autrement dit, il faut consommer cette électricité. Et toute la politique d'EDF, qui aujourd'hui est pour le tout nucléaire, ça consiste à faire consommer de l'électricité le plus possible, même quand on n'en a pas besoin. Alors par exemple, aujourd'hui, eh bien le pouvoir est prêt à saboter les projets sur le solaire. Parce que le solaire, ça produit davantage d'électricité, de chaleur aussi, en été qu'en hiver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le solaire? Et puis en même temps, il y a aussi le fait qu'on va multiplier le travail de nuit, par exemple, pour pouvoir faire consommer cette électricité. Et éclairer les villes, comme en plein jour, la nuit, pour faire consommer l'électricité. Et puis en même temps, le chauffage électrique, c'est ce qu'il y a de plus gaspilleur. Parce que le chauffage électrique, ça c'est un simple principe de physique. Quand on transforme de l'électricité en chaleur, on perd 70% d'énergie. Alors, il ne faut surtout pas dire qu'on économise. Et nous, notre projet va justement dans un autre sens, en insistant sur ce qu'est l'économie d'énergie. Alors, certains à gauche, les socialistes en particulier, disent qu'il faudra faire une pause dans le programme nucléaire pour essayer de réfléchir. Vous, qu'est-ce que vous dites? Vous arrêtez le programme ou qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'en veux un peu à François Mitterrand. Après avoir parlé d'arrêt du programme nucléaire, de parler maintenant simplement de pause et de parler de réfléchir. Nous nous disons qu'il y a des centrales nucléaires qui tournent, on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Il faudra voir comment réduire leur activité. Mais ne créons plus de nouvelles centrales nucléaires et ne disons pas que nous voulons un surgénérateur à Creys-Malville
si nous sommes contre les surgénérateurs. Et puis, il y a deux aspects à notre projet. Économie d'énergie d'abord. Il y a un rapport officiel, le rapport Crémieux, qui a été préparé pour le 8e plan et qui disait que les économies d'énergie pouvaient rapporter des emplois, 600 000 emplois, et en même temps faire qu'on arriverait à se passer du nucléaire. On n'a pas tenu compte de ça dans les projets gouvernementaux. Nous nous reprenons ce projet, étudié pour le gouvernement. Nous disons, on peut faire des économies d'énergie. Et en même temps, nous disons qu'aussi, il faut diversifier les sources d'électricité. Les sources anciennes d'électricité, l'hydroélectrique, le charbon. À Alès, il y a des mineurs depuis plus d'un an qui font la grève dans la mine parce qu'on veut supprimer l'exploitation de bons charbons qui peut permettre de développer aujourd'hui des énergies. Et puis, il y a tout le solaire, la biomasse, la géothermie. Je ne veux pas vous faire les numérations. Vous pensez sérieusement que tout ça peut assurer l'indépendance énergétique de la France ? Mais bien sûr, nous l'avons chiffré. Nous avons montré qu'il est tout à fait possible aujourd'hui, avec ces deux volets, réduire la consommation d'électricité. Et par ailleurs, et ça vous savez, il ne faut pas seulement parler des gadgets anti-gaspi, il faut parler des industries qui pourraient consommer jusqu'à moitié moins d'énergie. Et par ailleurs, emploi de sources diversifiées d'énergie électrique. Est-ce que ce n'est pas un autre mode de vie, finalement, que vous proposez ? Mais oui, c'est ça. C'est un autre mode de vie qui met moins l'accent sur des consommations gaspilleuses et qui, au contraire, peut permettre de vivre mieux avec, en plus, un contrôle par les gens de sources d'énergie plus proches d'eux, moins centralisées par l'État technocratique, l'État EDF et un pouvoir qui décide de notre consommation, des pannes de courant qu'on nous inflige et des centrales nucléaires qu'on impose aux populations, comme à Plogoff. Est-ce que ce n'est pas tout de même un petit peu rétro, un petit peu archaïque, tout ça, de dire chacun dans son petit coin va avoir son énergie? Mais non, ça n'est pas rétro du tout. C'est au contraire l'avenir, cela. Et moi, je voudrais dire que si au PSU, nous sommes écologistes depuis longtemps... Oui, qu'est-ce qui vous différencie des écologistes, après tout? Eh bien, mais moi, je trouve que c'est un grand drame qu'aujourd'hui, l'écologie, ce soit comme un parti, qu'on veuille accaparer l'étiquette. Je dis qu'il faut de plus en plus d'écologistes. Seulement, être écologiste, ça veut dire lutter pour la nature, sans doute. Mais ça veut dire aussi, et avant tout, lutter contre le système qui produit la destruction de l'environnement. C'est lutter pour la nature, mais avant tout pour les hommes et les femmes. Et ça veut dire choisir son camp. Être écologiste, ça veut dire aussi être de gauche.